c'est une rare fois que yon célébration 18 mai on fête drapeau haïtien fêté en dans communauté haïtienne de France là avec autant de ferveur. Pour 220 ans bicolore haïtien, ambassadeur Jean-Josué Pierre Daromé joint avec association Hibiscus mettez bar la très haute année ça. Ambassadeur haïtien organisé dans ambassade haïtien une cérémonie commémorative pour drapeau bleu rouge là, mais aussi une cérémonie de distinction et décorative tout pour groupe Boukman Expérience qui ambassadeur a comparé Manzé chanteur vedette Boukman nan, à Catherine Flon et Lolo à Boukman yon nan héros haïtien. Donc, ce drapeau, disais-je, c'est l'histoire de toute mon expérience. C'est l'histoire de femmes et d'hommes qui, comme Manzé et Lolo, Manzé, c'est une Catherine Flon des temps modernes. C'est une Catherine Flon contemporaine. Alors, Catherine Flon, c'est la femme qui a cousu le drapeau haïtien au moment de la création de ce drapeau. Le groupe Boukman Expérience, c'est le groupe qui porte en ce moment la culture, ce que nous avons de plus profond en termes de culture. C'est le groupe qui porte la culture haïtienne dans le monde. C'est avec beaucoup d'émotion que ce soir, à l'occasion du 220e anniversaire du bicolore national, que je voudrais présenter au groupe Boukman Expérience une petite plaque de l'ambassade de la République d'Haïti en France, ambassadeur Josué Daromé, en reconnaissance à Boukman Expérience, gardien et passeur de patrimoine haïtien. 220 ans du drapeau, Paris, 18 mai 2023. Merci Lolo. Merci Manzé. Merci. C'est parti content, non, non, content. Moi-même personnellement, parce que 18 mai, c'est une date qui est tellement spéciale. Et puis ensuite, pour nous à Paris, et puis nous recevoir en distinction pareille, c'est un honneur pour nous. Ensuite, ça va mon paquet de courage. Ça montre qui sent que nous connaissons que Haïtien remettra à la fête. Cérémonie ça fêté en deux temps. Madame Gerdy Paul, présidente de l'association Hibiscus, t'es senti-t-il fière également pour année ça que l'ambassadeur Josué Pierre Daromé te mette main ensemble avec yo pour offrir à bicolore haïtien une commémoration pas comme les autres. En pile moun manifesté joyeux et envie pour Ottawa Haïti retourner dans dimension histoire. Nous devons continuer à fêter parce que c'est l'histoire, c'est notre histoire. Et cette histoire-là n'appartient pas qu'aux Haïtiens, cette histoire appartient à l'humanité. Des Salines et les autres ont fait leur travail, c'est à nous de faire le nôtre. Le drapeau, voilà, la fête du drapeau de chez nous, d'Haïti, voilà. Et je suis très contente d'être là. Je me sens très honoré parce que c'est une très belle manifestation qu'il fallait marquer. Les 220 ans de la création du drapeau haïtien, symbole, tout un symbole, le symbole de la liberté. Mon expérience qui était ambassade là, Blay One, JB, fanfare, chorégraphie de danse, Blay musique, ambiance, toute qualité couleur pour fêter fête drapeau à Nessa. Ambassadeur haïtien en France là, salue spectacle là et bye communauté à rendez-vous l'année prochaine pour une fête historique avec l'espoir en Haïti pical. J'aime ça, Franklin Edouard, depuis la Ville Lumière Paris pour la Voix de l'Amérique, Créole.